toujours un plaisir pour nous retrouver sur la chaîne nationale pour nous parler ensemble avec vous de différentes personnalités qui font partie de Kilti Haïtienne dans Sito. Mais je dis, nous avons avec nous une jeune chanteuse qui a un pile talent. Nous avons avec nous Marie-Rosalie Févillien. Rosalie, comment nous est? Eh bien, en forme, je salue tout le monde qui a regardé là, tous les téléspectateurs, téléspectatrices et émission. Je salue tout. C'est un plaisir pour moi d'être là dans TNH et pour me prendre un petit coup de parler ensemble avec vous, ensemble avec les téléspectateurs. Marie-Rosalie Févillien est née le 1er avril 1990 dans l'arrondissement de Bénin dans le sud-est du pays, dans une famille chrétienne de 4 filles. Elle a fait ses études classiques à l'École nationale Fortuna Guéry et au lycée Marie-Jeanne. Elle chantait déjà à l'église avant de participer au concours des Sisters édition 2009, concours qu'elle a d'ailleurs remporté. À la suite de son tube, 5 ans après, en 2014, elle n'était plus la fillette que le public avait sous les yeux aux Sisters, mais une jeune femme débordante d'énergie et qui ne manque pas d'audace en matière d'écriture. Nous et ma routine sort 2 ans après. C'est donc une jeune femme qui décide de prendre en main son destin, dit-elle. D'ailleurs, elle le chante. Perdue dans les passants du derrière, j'ai pris le contre-pied d'une société perfide. Fouille de l'inconnu que je suis, plantée au milieu de rêves inachevés. On vous disait qu'elle débordait d'énergie, mais en flamme. C'est d'ailleurs ainsi qu'elle a décidé de titrer son premier album, qu'elle a mis 3 ans à préparer. Dessus, on retrouve 10 morceaux diversifiés en matière de rythme et de langue. La chanteuse, pianiste et compositrice ne s'y retrouve pas seule. Elle y a invité plusieurs artistes tels que B.I.C., Keb et Emmanuel Watson. L'œuvre qu'elle a créée avec patience et détermination est dédiée à la jeunesse qui mérite d'être conscientisée sur la nécessité de consommer la musique haïtienne, dit-elle. Parmi les morceaux figurant sur l'album, on a déjà pu avoir des vidéos telles que « Moins d'amour »,« Fierté nous »,« Ma routine », mais la vidéo phare en flamme sera pour bientôt. La fête d'année s'approche. Rosalie, qu'est-ce que ça nous paraît pour nous faire? Rosalie, nous connaissons tout le monde qui a découvert quand même avec Digicel Stars, mais ce n'est pas là que vous avez commencé avec la musique. C'est quelque chose que vous avez fait au côté commencé ensemble avec lui depuis tout petit. Ou jouer piano, ou chanter, ou c'est designer et tout. Donc, dis-moi, là, vous parlez de enfance, qui ça qui vous vient dans tête comme souvenir déjà? En fait, moi, commencé à chanter, l'aime qu'on aime découvrir ça là, moi, c'est le moins gagné 15 ans. Je vais commencer trop bonnet. Donc, j'ai 15 ans, j'ai participé dans l'église. Okay? Et puis, j'ai fait un concours de talent, j'ai participé. C'est comme ça que j'ai découvert que j'ai un talent chanté. Donc, j'ai commencé là tout exactement, j'ai commencé à jouer piano à 15 ans. Ok. Tu as été au lycée Marie-Jeanne. Là, on parle de lycée Marie-Jeanne. Qui odeur qui remontait à la surface pour vous-même en tant que jeune fille, adolescente, c'était comment? L'homme a découvert que vous qu'on chantait quand vous avez 15 ans, est-ce que vous êtes impliqué dans la vie culturelle, l'école ou bien sous quartier? En fait, moi plus j'ai participé dans ça qui a à faire avec l'église. OK, donc j'ai fait des compétitions dans l'église tout ça, donc j'ai participé. Moi j'ai fait première participation dans un concours dans l'église là qui était les artistes la caille, donc moi j'ai remporté premier prix. Après ça, nous t'ai continué suivre cours musique et jusqu'à ce que nous arrivions en 2009, jusqu'à ce que nous participé dans le concours Digicel Stars. Justement, pendant nous arrivions dans Digicel Stars en 2009, vous avez seulement 19 ans et vous arrivez première femme qui gagner un concours à une envergure nationale. Alors dis-moi, quand tu as 19 ans et que tu fais face avec ça tout d'un coup, comment ou même ou t'es embrassé nouvelle carrière ça qui t'est offert là ou même nouvelle notoriété ça que t'es venu gagner tout d'un coup? En fait, juste ça, c'était une expérience et qui était difficile pour moi-même mais qui était facile tout.
même dit facile pas gagner un concours là non, mais qui était plus paraître un défi pour moi en tant que jeune. On comprend moi t'es dans réto, d'après l'examen réto, et puis dans même moment tout moi t'es participé dans concours là, donc t'es gagné un pile challenge. Me sens j'ai participant yo t'es vraiment dans haut niveau. Donc moi même gagné un concours là, c'est vraiment une belle expérience pour moi. Et depuis là moi continue à faire musique et jusqu'à ce que nous arrivions à faire album ça qui est En Flamme. Ok, donc c'est tout. Je pense que c'est une belle expérience et c'est expérience ça qui mène là aujourd'hui à là. On comprend que t'as toujours fait musique, on même pas te connaît qui l'est vraiment, mais on pense avec participation dans le ça, ça conduit pour me lever juste côté moi, me lever là aujourd'hui à là. En Flamme, un album qui prend 3 heures de préparation. Est-ce que c'est parce que Rosalie sont monde qui pointilleuse dans tout ça la fait, il dit forme prend temps pour me joindre un résultat qui nan goum et puis pour me proposer un bagage tout qui à la hauteur de talent que gagne. Au fait, ça la donne tout, prend temps. Mais nous on et faire un album et surtout et et il n'est pas extrêmement facile, donc tu as gagné tantôt, on a cherché tantôt. On a même cherché sponsor tout. Okay? Nous faisons 4 ans, on a préparé l'album. Non? Et jusqu'à ce que nous arrivions à faire, et c'était vraiment. Je ne vais pas dire que tout le monde était rose, tout le monde était facile. Il y a un bon qui était facile, mais il y a un bon qui était difficile. Tout, okay? Donc, jeune sponsor, c'est un défi tout, pour tes jeunes sponsors. Donc, c'est vraiment. Ça sont l'autre challenge encore pour moi, c'est comme si j'étais en compétition. Ça sont très bel album et m'a encouragé tout le monde aller acheter lui sur iTunes, Amazon, tout presque tout store. Donc il faut chercher lui sur internet là. Et album ça tout est disponible dans boutique Tizon Diffé qui dans parc Midori Delma 33. Donc il est capable d'acheter tout. Donc je pense que c'est une belle expérience tout album ça. Ne t'a pas parlé de ça au micro tout à l'heure parce que mon yo supposé découvrir espèce à deux ou tout. On t'a fait partie JCI. Donc Rosalie tout t'es qu'on fait bénévolat pour les causes humanitaires. Est-ce que du fait que pas fait partie JCI, est-ce que toujours continuer et non même lancer ça ou bien est-ce que pas vraiment venir gain temps pour faire ce genre d'activité? Okay. Moi même son jeune qui aime faire expérience. OK? Moi même faire expérience, même j'en l'aime d'avoir apprendre musique. Je ne suis pas jamais dans l'école de musique, mal apprendre musique. C'est chaque côté que je connais un bénévolat, qui a un café bénévolat, qui a un cours gratuit, moi-même, je suis allé. Et donc, je passe plusieurs cours différents dans ce sens. Donc, moi-même, tout, je voulais faire expérience pour moi, comment ça y est, les gens ont fait bénévole. Je ne suis pas fait plus de temps dans la JCI, même des fois un petit coup de temps. Même si ouais, c'était une belle expérience, un bon bagage que j'ai fait. Un pile de jeunes qui réunis pour porter soutien à l'élève de l'école, à quartier défavorisé. Je sentais que c'était une belle cause, je t'ai embrassé, même si je n'ai pas fait un pile de temps. Mais quand même, petit temps fait, je t'ai bien fait. Okay? Je t'ai bien fait l'expérience. Là. Ok, pour nous tourner sur l'album, En Flamme. Pour qui ça En Flamme pour le premier album? Il a dit En Flamme. Okay. C'est pour qui ça? En Flamme, parce que. Qui reflétait, c'est en fait c'est une musique qui est sur l'album là, qui est En Flamme tout, c'est un titre. Donc on passe le titre ça monte baile. On te référé avec plusieurs idées, plusieurs étapes tout. Moi t'ai passé pour me faire album là.
pendant que je marche chez ce sponsor, ok, je ne suis pas découragé. Parce que c'est effectivement, je me dis, je calcule, je me dis qui j'aime garder les albums, je me dis que tu as choisi un titre, même les maps gardent. Valeur et expérience que moi fais pendant que je cherche fond pour me faire album, je me dis bon, fuck yon moun en flamme, c'est même j'en élève li fort, li la l'école, li fait moyenne 9, li fait moyenne 8, son élève qui en flamme. Même j'en yon étudiant qui a étudié dans la faculté, li brillé dans la faculté, son étudiant qui en flamme. Dis-moi même tout m'a fait album dans la, si m'a pas en flamme, m'a pas fait album ça, donc m'a petit ça pendant m'a réfléchi et puis m'a dit bon. Qui s'emballe les albums en flamme. Moi en flamme, comme au soleil, sous tes savants, moi en flamme, ma coconne, comme au chagrin, qui prend du moi en flamme, moi tous les mets, pas guère chaud, et pas guère. Ou gen deux featuring sur l'album ça, son album de 12 morceaux, ou gen BIC et puis Kébert Bastien. Pour un premier album, qu'on est artiste sur gens pointilleux sur qui est-ce qu'il a choisi qui pour collaborer ensemble avec eux. Donc, même choix ça a été porté par rapport à qui ça, à qui critère. Au fait, moi gen un seul featuring, c'est BIC, mais Kébert Bastien. C'est Yun Nan Moon qui écrit sur l'album. Même si nous avons moi-même qui écrit. C'est une collaboration quand même. Oui, bon. Là, je dis featuring. Je parle que Kébert Bastien lui-même, c'est Yun Nan Moon qui écrit trois musiques à peu près sur l'album. BIC écrit tout, mais BIC chante ensemble avec moi. Même pas un peu l'artiste, c'est seulement BIC qui chante, qui mettait vocal lui sur l'album. Nous avons Maestro Mano tout qui écrit sur l'album. Et moi-même tout, personnellement, moi, j'ai un titre qui m'écrit tout sur l'album. Donc, vous avez une vidéo en flamme qui a sorti tout prochainement avec BIC justement. C'est ça que tu as questionné tout à l'heure. C'est pour qui sont choix. Est-ce que BIC c'est déjà une sorte de modèle pour vous? Parce que c'est quand même le premier album et vous choisissez pour collaborer sur lui ensemble. Ok, BIC lui-même, c'est là depuis le commencement. Ok? Depuis le fait, avant même que je commence à mettre la musique dans le studio pour l'album, ça, je suis fait rencontre à BIC. Parce que nous avons un problème d'orientation dans la société. En plus, les jeunes ont besoin d'orienter, ou qu'on qui côté pour y aller, ou pas qu'on est. Moi-même, avant que je me lance dans faire album, non? Malgré que je commence à faire musique, faire sortir musique vidéo, tout ça, même dit j'ai besoin de faire un bagage qui est spécial, j'ai besoin de faire un bagage qui est authentique, j'ai besoin de faire un bagage qui est original. Donc, étant donné que je connais bien ici comment il fonctionne, qui gens que les chanteurs, je suis habitué à la musique, je dis bon, je vais écrire BIC. Effectivement, moi écrit BIC. Je dis besoin de rencontrer ça avec lui. Et puis, il dit bon, pas un problème, viens là, avec moi. Et puis, c'est là que je suis venu à la commencer à expliquer que je dis besoin de faire un album. Donc, il est là, dit bon, moi-même, pour moi-même, côté moi, tout ça, je commence à faire un petit conseil. Et puis, les premières deux musiques que moi écrit, que moi enregistré, c'est Kai BIC. Donc, c'est Nouvelle Disait avec Tombé d'amour. C'est deux premières musiques que moi enregistré sur l'album, ça. Bon, c'est choix de classe, les simple, parce que moi j'ai besoin de faire un bagage qui culturel, okay, qui semblait, qui embrassait la culture haïtienne. Donc moi j'ai voulu entrer, mettre empreinte moi tout dans la musique haïtienne, tant que tout l'autre monde nous connaît qui passait déjà. Allez, pendant que vous faites cette approche sur la culture haïtienne, son album côté que vous avez conscientisé les jeunes pour être plus fiers du fait de pays, fiers du fait que vous êtes haïtien, est-ce que vous lancez dans la lignée de monde qui voulait valoriser la culture pays, qui voulait voir et un autre regard sur ça que nous avons produit dans le pays? En fait, l'album ça, il y a un pile de bagaille là-dedans. Et moi, je n'ai pas encouragé avant que je réponde à une question. Je n'ai pas encouragé tout le monde vraiment à lâcher l'album parce que il y a un pile de bagaille là-dedans. Okay? Nous avons une musique ça, nous avons 12 musiques, chaque musique, il y a un bagaille là-dedans. Même si je chante un pile d'amour, il y a des gens qui pensent que c'est la musique l'amour qui est sur l'album. Non, mais non. Moi, il y a une musique qui parle d'environnement. Nous avons un phénomène fatra. Et saccager le pays. Vous comprenez? Comme si nous chaque fois sorti dans Port-au-Prince, c'est Fatra, c'est sous Fatra que vous marchez. Nous avons une musique numéro 2 qui conscientise comment que pour même connaître qui gens pour gérer la question Fatra. La question Fatra, c'est une question qui est personnelle. C'est chaque monde, c'est chaque citoyen qui vous dit que bon, moi-même, personnellement, moi-même, je ne suis pas obligé de Fatra dans la rue. Okay? Nous avons une autre musique tout, qui est fierté nous. Fierté nous qui a une vidéo déjà qui sorti depuis 2016. Fierté nous son musique qui parlait de Haïti.
On a comment pour aimer pays ou comment pour protéger pays ou comment pour parler de pays ou pour fier de pays. Et nous avons pas qu'être l'autre belle musique sur l'album. Non? Parce que tout le monde a besoin, tout le monde a besoin, grand monde a besoin, toute classe a besoin dans l'album. Ça. Nous avons le droit, nous avons le droit et nous avons dignité. Nous avons le choix à des voix tant pour tout l'autre côté. Nous connaissons tout que ou même ou bien talent designer d'ailleurs, chaque souvent c'est ou même qui fait un passé qui est super joli. Est-ce que c'est un choix de carrière possible pour Ozali pour lancer de la mode? Jean Wamdoulam, c'est un monde qui aime faire expérience, ok? Et moi j'ai une petite réalité que moi t'es c'est pas un bail comme c'est qui était négatif, c'est que en 2014 j'ai besoin de faire vidéo. Il me dit que moi t'as mon défi, pas mettre à l'étranger comme si vous mal faire vidéo. Je voulais paraître local parce que la musique là, c'est une musique qui est très locale, tombée dans mon bail ça. Je me dis que j'ai besoin d'habiller en créole. Mais malheureusement, tout designer que moi j'ai checké, dans le moment où j'étais occupé, peut-être que j'ai une activité que j'ai réglé ou pas capable dans le moment, je dis bon, moi-même, je me dégage, je me fais un bagage, je me mets sous moi. Donc c'est dans le moment où j'ai commencé à acheter des tissus, j'ai commencé à. Et non, mais tu as une base là. Je n'ai pas rien du tout. Rien même. Sauf que moi j'ai un boss ailleurs. Qui en face à côté de dans Carrefour. Donc, paix à son âme parce que monsieur Mouy est venu. Mais au fait, c'est là qu'elle est toujours allée. Chaque fois que je suis tissu, je mal fait bon, mon petit dos, je dis bon, comment pour moi, je vais aller. Donc, je ne peux pas aller comme ça en 2014, je me mettais sur moi. Depuis, les âmes, Gababdou, son bail qui me vient de m'aimer, je commencé à apprendre des cours par tutoriel et sur YouTube, je commencé travaille avec Bossam que Mabdou là qui était tout près de la caille moi plus donc pour le montrer jusqu'à présent vidéo clip moi c'est moi toujours et confectionner rad pour mettre sur moi en flamme dans tout on prend pile radio c'est moi même qui utilise c'est moi même qui fait OK super yeah. Depuis on bail sur Ozali faut comme 10% dans ta tuyau sur moi c'est moi qui fait okay. Mais pas tout okay. On t'a toujours dit c'est pas tout mais ça avec mon chola c'est moi qui confectionne OK Ozali pour une close interview. L'album a gagné un an depuis qu'il a fait Chimel là. Jusqu'à présent, feedback yo comment ça est? Ok, l'album n'a pas gagné un an. Il a gagné un an dimanche. Il est presque arrivé. Mais l'album est un très bel album. Feedback est très positif. Chaque monde qui a des bons. C'est pas parce que c'est moi-même qui fais l'album, non, m'a dit ça. Mais chaque monde vraiment qui a des albums, hein, c'est toujours félicitations, c'est toujours un pile. En pile bon bagay, en pile moun rele, m'a besoin cité nan yo, en pile moun qui t'est passé déjà qui dans domaine musique haïtienne nan rele pour féliciter mon album nan. Donc moi très satisfaite sur les réseaux sociaux tout iTunes Amazon très satisfaite parce que moi vend en pile sur iTunes avec Amazon sur CD Baby. Donc m'a pas connait qui gens ça appuyer parce que nous continuer toujours à bail album nan. Nous continuer à faire votre signature. Jusqu'à présent pour nous faire majorité population au courant de l'album ça qui est en flamme qui sorti. Donc c'est un très bel album encourager tout le monde. Et dans boutique Tizan Diffé Delma 33 et l'issue iTunes Amazon nous capable l'acheter s'il vous plaît. Voilà téléspectateurs nous t'adèle en flamme les disponible sur toute plateforme de distribution musicale yo. Ozali, c'est un plaisir pour nous te gagner aujourd'hui. Eh bien, ma remercie nous, ma remercie TNH et ma remercie tout le monde vraiment. Je ne peux pas aller sans pas remercier le monde qui supporte l'album. Nous avons Yuka Production et Yuka Entertainment qui est vraiment ce producteur album, qui c'est Altidor Jean-Kirby qui produit l'album.
Et nous gagnons un vidéoclip en flamme qui a sorti dans le week-end Zara, et jeudi à même. Et au fait, qui a sorti là, c'est réalisation Yuka Production, Antidote Jean Kirby, qui a réalisé une belle vidéo. Ça. Et moi, merci à tout le monde qui a participé, qui a participé dans la vidéo. Moi, je dis tout le monde, allez sur YouTube, allez regarder la vidéo en flamme là, et subscribe-moi tout. Also Facebook, Wozali Haiti, YouTube, Wozali Haiti, Instagram, Wozali Haiti. N'ap kapab wè et ki me fè. Et m'ap salye tout, m'ap remercie aussi genye la coupe Palmis restaurant qui situé école en France qui supportait musique vidéo ça tout. Genye Fat production en France qui supportait musique vidéo ça pour moi merci. Et genye aussi FLD United qui sponsorise vidéo ça tout et m'a promesse Yuka Production encore une fois qui a fait un bel travail ensemble avec moi qui produit album là et qui produit musique vidéo ça et m'a dit merci m'a dit NH merci Adeske nous t'ai invité. Voilà chers téléspectateurs, c'était un plaisir pour nous te porter pour aujourd'hui Marie Rosalie Févillien. Bye bye, à la semaine prochaine.